Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous donne mon avis sur 6 produits de parapharmacie. Et donc ces produits m'ont été envoyés par les parapharmacies Leclerc. Donc vous avez sans doute dû le voir, j'avais publié sur Facebook notamment le fait que Leclerc en fait mettait en ligne les produits de parapharmacie. Vous pouvez maintenant dès à présent commander les produits de parapharmacie Leclerc. Donc je suis allée faire un petit tour vite fait, j'ai pu remarquer en fait que sur le site d'ailleurs certains produits comme la somatoline que j'adore étaient moins chers en fait en ligne qu'en boutique. Donc voilà, alors là j'ai eu mes 6 produits. Donc en fait ils m'ont demandé, c'était à l'issue en fait des ambassadrices beauté Leclerc, ils m'ont envoyé un mail me demandant si je voulais tester, et franchement j'étais trop contente, puisque pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi en fait voilà, c'est un emploi que j'ai occupé en fait en tant qu'esthéticienne dans les parapharmacies Leclerc, et donc j'étais plus que ravie puisque pour moi c'était vraiment une très belle expérience puisque j'y ai appris plein de choses. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter donc les produits que, de toute façon, je les ai tous testés. Au départ j'avais dit que je ne testerais pas les produits phyto puisque je venais de faire un lissage brésilien, et en fait je les avais confiés donc à Cassandre, et puis en regardant d'un peu plus près finalement au niveau de la composition, c'est à base de kératine, donc comme les produits que j'utilise pour mon lissage brésilien, donc c'était très bien, et en plus les shampoings sont, le shampoing est sans sulfate, donc c'était idéal. Donc je les ai testés. Alors déjà ce que je peux dire, c'est que par rapport aux produits phyto que moi je connaissais déjà, les produits phyto Paris, j'aime beaucoup parce qu'en fait le packaging est métallique et n'est pas en verre, parce qu'avant avant d'avoir des enfants je prenais les produits phyto, depuis que j'ai des enfants j'évite les packagings en verre. Donc déjà au niveau du packaging je trouvais ça super. Il est quand même assez joli puisqu'en fait c'est un flacon qui est doré. Donc c'est un shampoing, marque shampoing d'exception, cheveux ultra abîmés, cassants et secs. Donc j'ai les cheveux sensibilisés du fait que je fais mes mèches. Donc je l'ai testé 2 fois. Sans quoi c'est Cassandre qui l'utilise. Cassandre s'est sensibilisé les cheveux puisqu'elle avait fait un tie and dye avec les produits qu'on trouve en grande surface, les petits gels qui viennent en fait éclaircir donc ses pointes. Mais Cassandre en fait faisait aussi beaucoup mais beaucoup de plaques. Donc ça a vraiment abîmé son cheveu au niveau des demi-longueurs, on va dire, vers les pointes, était vraiment sec, était vraiment sans éclat, le cheveu était diminué. Et là, j'avoue que depuis qu'elle utilise sa routine, on a vu en fait un changement au niveau de sa fibre capillaire. Donc elle utilise alors ce shampoing, donc moi aussi, donc shampoing sans sulfate, ça on le remarque tout de suite de toute façon, dès qu'on commence à l'appliquer, ça mousse beaucoup moins que les autres shampoings. Donc ce n'est pas que ça ne lave pas, c'est juste qu'en fait il y a une base lavante très douce, et comme il n'y a pas de sulfate, ça ne mousse que très peu. Mais ça fait très bien son job. Donc ça je l'ai utilisé, et agréable surprise puisque généralement moi les produits capillaires pour cheveux très secs, ça a tendance en fait à regresser en racine, et là ce n'est pas le cas. Donc je vais vraiment finir par me dire que c'est vraiment le sulfate en fait qui vient alourdir mon cheveu. Donc là j'étais très contente d'avoir ce produit. Donc ils m'ont mis avec le masque d'exception, donc phytokératine extrême, donc la même gamme. Et là c'est pareil, c'est une très belle découverte, donc toujours un packaging au top, hein, je répète, c'est doré. C'est un pot en fait qui se dévisse et l'odeur est super sympa. Donc c'est pareil, c'est enrichi en kératine, mais j'ai vu il y a plein d'autres choses, donc je ne les ai pas appris par cœur, c'était pas le but de la vidéo. Kératine végétale, 18 acides aminés biomimétiques, beurre de sapotier, huile de baobab, extraction de pivoine, 60%. Donc en fait on a quand même une composition avec pas mal de principes actifs en grande concentration, donc ça c'est super bien. Donc là c'est pareil, ça j'ai utilisé, donc après le shampoing, je les ai vraiment utilisés en combo. Donc sur un cheveu qui, je le rappelle, on aura bien sûr fait son shampoing, on aura bien rincé, et on aura essoré et épongé son cheveu pour permettre au soin de pénétrer vraiment la fibre capillaire et de ne pas avoir un soin qui sera dilué avec l'eau. Donc ça c'est pareil, c'était très bien, j'ai senti mes cheveux bien sûr tout de suite nourris, brillants, doux, franchement agréable. Donc ça c'est vraiment sympa également. Ensuite, c'est le baume corporel hydratant quotidien, donc c'est Cabiafine. Donc je vous ai gardé en fait les emballages parce qu'en fait c'est vrai que pour certains produits, par exemple les produits phyto, si je voulais les montrer sans l'emballage et que vous pourriez les voir en boutique, vous n'allez peut-être pas les reconnaître. Donc là c'est à peu près le même celui-ci. C'est le baume corporel hydratant quotidien pour peau très sèche. Donc hydrate immédiatement, répare intensément. Donc Biafine, on a toutes connu je pense la crème Biafine.
Depuis qu'en fait les produits Biafin ne sont plus remboursés, Biafin a étendu sa gamme. Et oui, il fallait bien trouver quelque chose. Et du coup, Sika Biafin, alors là moi je ne connaissais pas encore, enfin je le connaissais de nom, je ne l'avais pas encore testé. J'avais par contre testé en fait une crème de douche en fait, qui était sans parfum, pour peau très sèche, que j'avais vraiment appréciée. Donc moi les produits sans parfum, je rappelle, ne me gênent pas du tout. Quoique celui-ci, il a une légère odeur et c'est vraiment sympathique. Hydratation, donc oui, pour peau très sèche également. Donc moi je le teste parce que souvent... je suis vautrée en fait dans mon canapé quand je vous réponds sur les réseaux sociaux où je monte mes vidéos. Et c'est mon coude en fait, hein, mon coude qui prend, donc qui se dessèche vraiment beaucoup. Donc je teste sur mon bras et je vois direct si ça marche ou pas. Donc c'est très hydratant, c'est un baume, donc la formule est assez légère, pénètre relativement vite. Et l'odeur, oui l'odeur est très agréable. Donc ça c'est vraiment très sympa. Mais voilà, il y a du parfum, faut pas croire que c'est comme le petit... produit nettoyant, moussant sous la douche, c'est pas pareil, hein, y a du parfum dedans. Donc voilà, ensuite Velleda. Donc Velleda, j'avais testé dans My Little Box une crème de douche à la grenade. Et là en fait, c'est l'huile régénératrice à la grenade. Donc ça active le renouvellement cellulaire, action antioxydante. Donc c'est pour le corps, ça s'utilise pour le corps. Et en fait, ça va venir... en fait éviter le relâchement cutané. Donc j'ai 36 ans et voilà, c'est pas mal du tout. Donc j'utilisais moi déjà des crèmes pour la fermeté, anti-relâchement, et là c'est pas mal du tout. Donc je vais pas vous dire, oui j'ai remarqué, bon, j'ai que 36 ans aussi, donc j'ai pas non plus la peau qui tombe, mais voilà, moi j'utilise vraiment en prévention. Donc j'ai déjà commencé à l'utiliser. Donc c'est un flacon en verre, ce que j'ai bien aimé parce que j'avais un peu peur, parce que voilà, bon, elle est un petit peu grasse quand même, puisque je me frictionne un peu tout le corps avec. Ce que j'ai bien aimé en fait, c'est ici pour venir doser. C'est quand même pratique parce qu'en fait on a un tout petit trou, ce qui nous permet de venir doser et qu'on n'a pas une grande quantité qui va couler. Donc ça c'était important à dire. Son format, il me semble que c'est un format, voilà, 100 ml. Et ma foi elle est pas mal. Donc c'est une huile qui est assez limpide, donc je dirais une huile sèche, qui pénètre relativement bien. Bon, on est quand même un peu grasse après. Moi ce que je fais souvent, c'est que quand je sors de la douche et que je m'enduis de mes produits, je ne m'habille pas tout de suite, hein. Je m'enduis de mes produits, après je m'occupe de mes cheveux et seulement après je vais m'habiller. Donc moi ça ne me gêne absolument pas du moment que ma peau est parfaitement nourrie et hydratée. Donc ça c'était sympa. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui passe. C'est pas... Ça sent la grenade, enfin je veux dire ça sent la grenade, ça sent une odeur un petit peu acidulée, on sent un peu les plantes, ça fait quand même produit, voilà, produit pharmaceutique. Mais moi c'est vraiment pas des odeurs qui me dérangent, au contraire c'est des odeurs qui me rassurent. Donc ça c'était pas mal du tout. Ensuite de chez Galénique, j'ai reçu le teint lumière DD Crème SPF 25. Donc c'est un perfecteur de teint qui va venir illuminer. D'ailleurs je le porte aujourd'hui encore. Donc ça c'est pas mal du tout aussi. Alors je l'ai testé donc de plusieurs façons puisqu'on peut l'utiliser seul ou avec sa crème. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est un format 40 ml. Au niveau du tube, on a un petit, voilà, une petite canule qui vient en fait appliquer... La DD crème sans avoir non plus une trop grosse quantité, donc ça c'est pas mal aussi. J'aime beaucoup en fait aussi les produits Galénique. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette crème? Donc déjà moi je l'ai eu en teinte nude, donc c'est assez clair. Donc là forcément on se prend la sauce, en ce moment on se prend pas encore beaucoup les rayons de soleil, donc je ne suis pas encore bronzée, mais ça, je pense que ça n'ira plus, parce que c'est quand même assez clair, donc c'est très très bien là pour ces jours-ci. Mais je pense que si on vient avoir vraiment du soleil plusieurs jours, je pense que la teinte sera trop claire. Donc j'ai bien aimé, alors je l'ai utilisée en fait avec, au départ, donc tous les matins je mets mon sérum et je mets ma crème de jour, et j'ai utilisé en fait la DD crème avec, et là ça n'allait pas, ça pluchait en fait, donc j'avais comme si comme des morceaux de gomme qui venaient sur mon visage. Donc j'ai de suite retiré, j'ai recommencé en mettant juste mon sérum, et en fait je l'utilise comme ça. J'applique mon sérum et je viens appliquer la DD crème et c'est impeccable. Donc je viens la poudrer quand même par dessus parce que moi j'ai la peau normale à mixte, j'ai quand même des zones grasses. Et donc sinon non, c'était assez sympa. Mon SPF 25, ça va vous protéger les premières heures d'exposition au soleil. Donc généralement on l'applique le matin, ça va tenir la matinée, mais l'après-midi c'est pas ça, ça ne tiendra plus, hein. L'SPF 25 ne sera plus là, hein. Donc embellisseur, ouais c'est vrai que c'est sympa et je trouve que c'est très lumineux. Donc au niveau du teint, j'ai trouvé un teint assez lumineux. Donc c'est vraiment un produit, oui, que j'ai apprécié. Donc pour tous les jours.
Ensuite, je termine par les ampoules coup d'éclat. Donc ça, je les connais, puisqu'en fait, ces ampoules, je les achetais à l'époque où je maquillais les mariés. Donc c'est une ampoule qu'on applique avant de faire quoi que ce soit, donc avant même de mettre la crème de jour. Et c'est donc une ampoule aqueuse, donc qui est très liquide. Donc c'est sympa parce que ça ne vient pas graisser la peau, surtout pour les peaux qui ont tendance à reluire comme moi. Donc voilà, j'en ai déjà utilisé deux, il m'en reste une. Ce que j'ai apprécié aussi, parce qu'il me semble qu'avant c'était en verre, et là, j'ai l'impression que c'est du plastique. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'on a toujours peur d'avoir un petit morceau de verre en fait qui tombe dans le sérum. C'est vrai que ça a toujours été une de mes craintes. Et là, c'est du plastique. Donc ça, je trouve ça sympa comme tout. Donc je les ai utilisées avec Angelia lorsque nous sommes allés à la Beauty Cruise. En fait, on s'est appliqué ça puisqu'on partait pour un goûter puis une grande soirée. Donc nous sommes appliqués sur le visage pour avoir en fait voilà un effet danseur, un effet bonne mine, mais aussi c'est un fixateur de maquillage. Donc ça, c'est vraiment impeccable. J'étais contente en fait de les retrouver. Ça faisait un moment que j'en avais pas acheté d'ailleurs. Et donc c'est vraiment super, c'est vendu par 3 et je crois qu'il y en a aussi voilà, vendu par 12. De toute façon, je vous remets tous les liens des produits et les liens des parapharmacies Leclerc bien sûr en barre d'infos, donc n'hésitez pas à consulter la barre d'infos. Donc voilà, cette vidéo se termine. Si vous avez une question sur un de ces produits, si vous avez déjà testé un de ces produits, si vous avez un avis différent du mien, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie de vous y répondre. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec ma fille Cassandre. Salut les filles! Pour donc notre petite battle que vous êtes nombreuses à apprécier. Et donc Cassandre va vous présenter ma...